Alors, la recette du jour, c'est un 4 quarts au citron. Donc, pour la recette, on aura besoin de 5 œufs, 250 g de sucre, 250 g de farine, le zeste d'un citron, 250 g de beurre. Pour le sirop, on va utiliser 80 g de sucre et 80 g de jus de citron. Et pour le glaçage qu'on fera tout à l'heure, on aura besoin de sucre glace et de 2 cuillères à café de jus de citron. Voilà, voilà. Ouais, je vais le faire à la main. Normalement, j'aurais pu le faire au robot. Ben ça va très bien, merci. Je vais juste faire préchauffer le four 180 degrés. Voilà, donc pour cette recette, on va utiliser le moule carré. Voilà, donc sur la plaque en alu perforée, comme d'habitude. Là, on utilise le moule carré, ça va nous faire un bon gâteau assez conséquent. Ça change un peu du cake. J'ai hésité à faire en cake. Je me suis dit en carré, on aura une plus grande quantité. Donc là, on va commencer par mélanger le beurre. Donc le beurre, je l'ai fait ramollir un petit peu au micro-ondes, mais vraiment un petit peu, parce que je ne l'ai pas sorti assez longtemps avant. Donc le beurre mou avec le sucre. Voilà. Donc évidemment, j'utilise toujours mon fameux cul de poule et le support que vous trouvez sur la boutique en ligne Guy de Marle. Sachez que vous pouvez bénéficier de 5 euros de remise donc, sur la boutique en ligne en ajoutant l'adresse mail influence.gourmande@gmail.com dans le mail de parrainage. Donc là, on a bien mélangé le beurre et le sucre. Voilà, et on va pouvoir ajouter les œufs. Donc 5 œufs. Sachez que vous avez toujours accès à, aux offres sur la boutique Guy de Marle. Quand vous êtes sur la boutique, en fait, vous pouvez sélectionner, vous pouvez cliquer sur nouveautés, offres, etc. Donc vous cliquez sur offres et vous avez toutes les offres promotionnelles du moment. Donc il y a des kits qui sont super intéressants. Je vous en avais déjà partagé plusieurs en story. Mais après, vous pouvez les retrouver directement sur la boutique. Donc là, je vais continuer avec le fouet. Les cakes comme ça, je ne sais jamais combien d'œufs mettre. Bah après, moi, ici, là, aujourd'hui, j'en mets 5. Mais j'ai quand même une bonne quantité. Après, tout dépend de la quantité que tu mets de reste, hein, de farine, etc. Faut pas que ce soit trop liquide. Là, on va pouvoir ajouter la farine. Donc, je la mets en plusieurs étapes. Comme d'habitude, vous voyez que je peux lâcher mon bol, il ne se balade pas. Donc, tout ça, c'est grâce au support.
Voilà, donc là on obtient une pâte bien homogène. Waouh! Ah, celui-là, j'avais hâte de le faire hein, parce qu'il a l'air vraiment, vraiment bon. Pourtant, je suis pas forcément très fan du citron. Mais alors, celui-là, je sais pas pourquoi, il m'inspire vraiment beaucoup. Et là, on va donc ajouter le zeste. Donc là, j'en garde un petit peu pour la déco. Donc là, on mélange. Et voilà, donc là, notre préparation est déjà terminée. Donc vous voyez, très très rapide. Voilà. Là, je vais venir chercher ma spatule double embout. Donc spatule double embout disponible sur la boutique en ligne. Ça, vous savez, vous connaissez, je vous la montre à chaque fois que je l'utilise. Elle est très très pratique. Hop, en fait, vous avez tous les côtés qui vous permettent de racler les bords. C'est pas comme une autre cuillère. Là, vous avez vraiment tous les bords qui viennent râper votre bol. Donc, vous ne perdez vraiment rien du tout. Je vais vous montrer. Pareil, quand vous avez des mélanges type marbré, comme j'ai fait hier, en fait, grâce à cette spatule, vous n'avez pas besoin d'avoir plusieurs ustensiles. Avec une seule spatule, étant donné que c'est une spatule double embout, vous faites avec un côté une préparation, avec le deuxième côté la deuxième préparation. Voilà, tout simplement. Donc vous n'avez pas besoin de sortir plusieurs spatules. Vous voyez, vraiment top. Donc là, je viens étaler un petit peu mon gâteau, voilà, pour que ce soit assez homogène. Alors quand vous faites ce genre de gâteau pour qu'il soit un peu plat, parce que vous savez que je pense que ça nous est tous arrivé, quand vous faites un gâteau, en fait le milieu, non, il n'y a pas de levure, le milieu a tendance à gonfler plus que le reste. Et du coup, ça vous fait pas un gâteau très homogène. Donc en fait, il faut pas hésiter à mettre un peu plus de quantité sur le côté et à former un genre de puits en fait sur le milieu. Comme ça, même quand le milieu va gonfler, au final, ça va s'équilibrer. Donc après, faut pas faire non plus un trou, hein. Mais vous pouvez creuser un tout petit peu. Voilà. Et ça minimise un petit peu le côté bombé du centre. Voilà. Donc là, pour notre préparation, on est bon. Coucou Toff. Comment vas-tu? Donc là, on va pouvoir enfourner donc à peu près 45 minutes à 180 degrés. La préparation est déjà prête. Donc là, je lance le timer et après, on pourra préparer le sirop. Voilà. Donc après, on préparera le sirop donc avec les 80 g de citron et les 80 g de sucre. C'est un gâteau au citron. Comme ça, on viendra imbiber en fait le dessus du gâteau et on ajoutera du sucre glace. Voilà, du sucre glace. Un glaçage royal, voilà, parce que c'est du sucre glace avec du jus de citron, donc ça nous fera un petit glaçage royal pour la déco. Ça va être super beau avec un petit peu de zeste de citron que j'ai gardé, donc voilà, au top les amis. Et ben ça va plutôt bien. On voit que c'est les vacances, il y a un petit peu moins de monde.
Les mamans sont toutes occupées. Qu'est-ce que je voulais faire? Moi, Cacahuète, elle dort et au moins elle gâche pas ton live en marchant. Ouais, mais Gordon, il... Oui, ça va, Gordon. Gordon, il se gêne pas, lui. Gordon, ça va, il dort aussi. Donc là, du coup, on va faire notre sirop. Donc, je prends ma petite casserole, je vais ajouter mon sucre. Hop, donc c'était 80 g de sucre. Et j'ajoute le 80 g de sirop. De jus de citron. Voilà. Je vais juste mettre ça de côté. J'aime pas quand ça traîne. Voilà, donc là je vais mettre à chauffer un petit peu. Oh, il est pas bien mis le truc. Donc là, on va bien mélanger le sucre, le jus de citron. Là, on va pouvoir faire le démoulage, comme ça. Quoi, la télé? Ah, moins fort. Théo, tu peux faire un peu moins fort, s'il te plaît? Donc là, démoulage. Alors vous avez vu, je n'ai ni graissé, ni fariné, ni rien du tout le moule. Franchement, on n'entend quasiment rien. Non, mais c'est parce qu'en fait, avec la caméra qui enregistre, il y a le micro. Et du coup, vous entendez peut-être pas trop, mais à la caméra, ça va s'entendre. Ouais, l'utilisation pour les messages. Donc du coup... Ni beurré, ni fariné. Voilà, nickelos. Micro-perche. La merde, le retour. Pourquoi? Je peux plus prendre la voie rapide. Ah bon? Tout est fermé à cause des travaux. Résultat, je me suis tapé toutes les routes depuis là-bas. Oh merde. J'ai traversé tout, hein, rond l'étape, machin et tout. J'ai mis au moins 20 minutes de plus. Tu le retournes parce que le côté là, il me plaît pas. Donc je vais le mettre comme ça. Il est plus joli. Bah, ça m'a saoulé. Bah oui, tu m'étonnes. Ouais, ouais. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? À l'aller, tu peux prendre toutes les sorties de ta route, mais au retour, ouais. Toutes les entrées sont bloquées. J'ai 20 minutes de plus, ça c'est. Bah ouais. Comme je disais, pour le son, c'est pour le micro-perche. Bah oui, je sais. Parce que lui, il capte beaucoup, beaucoup, beaucoup. Tu sais, c'est ce que j'ai dit. Ouais.
Bah attends, je fais juste le sucre glace, comme ça on ira. Ah oh, merde, j'ai plus de beurre. Je vais prendre celui-là, parce que c'était du sucre qu'il y avait dedans. Raon les tapes, il y en a qui dit. De quoi? Bah, je sais pas, Raon les tapes, point d'interrogation. Oui, Raon les tapes, oui. C'est une ville. Bon, la maison à côté de la mère de la, enfin, de la copine de Malone, elle est fermée. Ah ouais? Miguel Antou voulait la refaire, bah, et tout qui était bouclé. Donc, on va prendre 50 grammes de sucre glace. Et une cuillère à soupe de jus de citron. On va mélanger. C'est convenu pour le saumon un mois. Un bagnole, ouais, saumon ouvert. Bah oui. Le saumon ouvert, moi je testerai pour un mois. Non, c'est clair. Déjà 2-3 jours, ça pue. Ah, grave. Donc là, le sirop, on est bon. Là, on va rajouter un peu de jus de citron. Vous voyez à la consistance hein, de votre massage. Pas pour l'instant ou pas? Voilà, là ça commence à avoir une bonne consistance. On va faire un peu plus liquide encore. Et après, on sera bon. Vous voyez la consistance? Je ne sais pas si vous verrez, parce que bol blanc avec préparation blanche. Donc là déjà, je vais imbiber du coup le gâteau. Alors, vous voyez peut-être plus trop là. Donc je vais imbiber le gâteau avec le sirop. Donc on n'hésite pas à en mettre une bonne couche. Ouais, la mouche, elle commence à être relou là. On l'entend à la caméra, on l'entend. Purée. Enfin, voilà. Voilà. Elle veut trop se montrer, ouais, c'est clair. Hop, donc là, on est bon. Là, on va faire notre petite déco. Des petits zestes de citron. Et voilà.
N'est-il pas parfait? Il est beau, hein? Très beau. Et voilà, recette terminée. Je peux vous dire que celui-là, il va être bon, hein? Ouais, trop joli. Bon, du coup, je vais vous laisser. Donc, pour celles qui étaient intéressées par le B-Save, n'hésitez pas à m'écrire sur Instagram ou sur TikTok. Comme ça, je vous donne toutes les infos. Et puis sinon, bah, merci d'avoir été là en live. La recette sera dispo en rediffusion, en replay sur YouTube. Je vous informerai au moment voulu. Donc voilà, merci beaucoup d'avoir été là et bon week-end ensoleillé, on espère,